J'espère que vous allez bien. Alors que du coup, je vais refaire coucou à tout le monde. Salut le salon de service, salut Cucuy, salut Lily, salut Ulus. J'espère que vous allez bien. Tous autant que vous êtes. Et merci Ulus. Salut Gnou, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'étais allée me faire un petit café. Enfin, un cappuccino, on va dire. Ouais, j'ai fait pipi. Merci pour ton prime. Avec cette magnifique alerte. les subprimes, voilà. Et ouais, j'ai mot. Cette magnifique alerte de sub, de prime. Ou alors tu es ma mère. Pas sûr, Ulus, on n'a pas tout à fait le même âge. Cette alerte de mamie de vie est folle. En fait, ça c'était un jour où je jouais à Bump Simulator. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en appuyant sur une touche, on pouvait faire pipi. Et du coup, ça m'a surpris parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, ben, j'ai gueulé, ah, on peut faire pipi. Du coup, voilà. Et du coup, je l'ai gardé. Salut, Momo, ça va? Comment ça, tu sauras jamais faire la même chose? Gueuler, ah, je peux faire pipi ou on peut faire pipi? Si, je suis sûre que tu peux faire ça. Tout le monde peut faire. Avec l'image, on dirait qu'en squattant en tant que panda, t'as eu une fuite. Mais oui. Ça n'a aucun sens. J'ai voulu récupérer des trucs personnalisés. Pour personnaliser mes alertes, je me suis dit que ça peut être pas mal de garder des gifs de trucs que j'ai fait en live et de garder des sons que j'ai... Faudrait un ordi pour avoir des alertes. Ah, tu peux pas le faire avec la PS4? Salut Anslo, ça va? Et que t'en es contente en plus, ça le plus drôle dans l'histoire, mais oui c'est ça. J'espère que tu es un fond porte-bonheur pour... alors je suis pas sûre de ça, tu me diras, mais bonne chance, hein. Mais je suis pas sûre. J'ai même essayé de mettre un truc de Twitch et je vois rien de... Ah ouais, les alertes spécialisées de Twitch là. Ah, t'as craqué pour Diablo 4? Je suis pas du tout dans ce délire de jeu perso, donc moi je passe complètement à côté de la hype de Diablo, mais on va finir par se poser des questions. Quel type de questions? Ouais, après bon, il en faut pour tous les goûts, on va dire. Moi c'est pas trop mon style de jeu, on va dire. Je regarderai ça après. Je veux vraiment savoir. Vas-y, je t'écoute. Enfin, je te lis en tout cas. Du coup, merci de me couper la parole. Hein, voilà, c'est gentil. Salut Blackseller, j'adore que ça va. Merci pour ton resub. Ouais, c'est pas mon style de jeu non plus. Après, oui, ça a l'air d'être très beau, mais bon. Bon, après, maintenant aussi, Lancelot. Oui, du coup, j'allais dire, ça m'a complètement coupé à poil, je suis en train de me dire de quoi je parle déjà. Je suis en train de dire, oui, comme vous avez pu voir passer l'information pour certains qui me suivent sur Twitter ou Discord ou les deux. Du coup, on a le droit de faire l'annonce officielle depuis le 5. Je fais partie de l'événement caritatif. Merci, merci Kiki. Electra, Gaff Blanc. Merci pour le train, merci pour les cheers. Et du coup, je fais partie de l'event caritatif Dream of Cats pour l'association EPA Ensemble pour... Ensemble pour quoi déjà les animaux? Je sais plus qu'est-ce que c'est le sigle, c'est EPA 28.
Je connais pas trop la sensation, je vais pas vous mentir. C'est une association que je ne connais pas du tout. Mais il y aura tous les trucs explicatifs quand il y aura l'event caritatif le mois prochain. Il y aura tout, il y aura les points d'exclamation EPA, points d'exclamation Dream of Cat, etc. Il y aura tous les trucs d'explication, etc. Oui, mais je la connais pas l'association. Donc, c'est ensemble pour attends, je vais te dire ça. Formation association. Enfin, c'est ensemble pour la protection animale, voilà. Voilà, ensemble pour la protection animale, c'est tout simplement. Voilà. Et pas 28, voilà. Et tout simplement, c'est une association qui n'a pas... En fait, vous savez, des associations, il y en a énormément. Mais il y a des associations qui ont moins de visibilité que d'autres. Ça, genre, on vous dit la SPA, vous savez ce que c'est. La SPA, tout le monde connaît, tout le monde... Enfin, à peu près tout le monde a au moins une SPA dans son coin ou dans les environs, enfin bref. Vous savez ce que c'est. Mais il y a des associations, même pas forcément pour les animaux, mais peu importe, il y a des associations partout qui n'ont pas la visibilité qu'elles mériteraient d'avoir. Du coup, voilà. Tout simplement, ils ont voulu faire un événement caritatif pour une association qui n'a pas cette visibilité, que les gens ne connaissent pas spécialement, et pour les aider justement à obtenir des fonds pour les animaux, tout simplement. Donc, voilà, l'association... Bah ouais, voilà, c'est ça, tu vois, tout le monde... Après, je crois que ça s'appelle pas pareil, non? Je sais pas. Je sais pas, mais bon... Mais voilà, tout ça pour dire... Ah, ça s'appelle pareil, d'accord, ok, je savais pas. Il me semble que je crois qu'aux États-Unis, ils ont un équivalent, mais que ça s'appelle différemment. Désolé, je picole. Donc voilà, j'ai préparé des donation goals pour cet event. Je vous en ai préparé, mais alors plein des donation goals. Alors là, vraiment, il y a du choix. c'est pas comme l'année dernière, pour mon premier event caritatif que j'organisais, j'étais en mode putain, je sais pas quoi mettre. J'ai hésité pendant longtemps et tout, je savais pas quoi mettre. J'avais aucune idée, mais alors là, par contre, les idées, ça fusait, hein. Voilà, des idées, en veux-tu, en voilà, ça venait à l'appel. Genre, vraiment, sans exagérer, quand j'allais me coucher le soir, j'avais des idées de donation goal qui popaient, comme ça. Et du coup, je prenais mon téléphone et je les notais, parce que je me disais, je vais les oublier, en fait. Bah écoute, merci. Ça va acheter à Shiendiz. Ouais, j'avais vraiment, j'avais tellement d'inspiration que du coup, carrément, ça m'empêchait de dormir. Comme ça, genre vraiment, voilà. Et du coup, voilà, j'ai ces donation goals, j'en ai plein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous les présenter. Les donation goals, je vais vous les présenter, déjà, pour commencer. Un bon début. On va en parler, ils sont pas du tout dans l'ordre. C'est-à-dire que là, les donation goals que j'ai fait ne sont pas du tout dans l'ordre du moins cher au plus cher. Il n'y a même pas les paliers. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de trucs genre 5 euros, 10 euros, 50 euros, 200 euros. Il n'y a pas les paliers. Je ne les ai pas classifiés. Voilà. C'est parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai juste une idée des donation goals, mais je n'ai pas d'idée des paliers. Du coup, je me suis dit ça peut être intéressant de les faire avec vous. Je vous montre les donation goals, on en discute, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. Et ensuite, on se fera un petit, une petite classification des donation goals, mais par palier. Oui. Tac. Je vais... Alors, attendez, je vais faire ça, mode studio. Ça. Capture de fenêtre. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça?
propriété. Si je fais ça... j'ai pas l'impression... Ah, bah, faut que je fasse une capture d'écran, je pense, plutôt. Et pas une capture de fenêtre. Alors, ajouter... Capture d'écran. Là. Hop. Oula. Alors, évidemment, pas cet écran-là. Enfin, si, cet écran-là, mais... Oh. Parce que là, en gros, je suis en train de record mon OBS. Vous voyez pas, c'est normal, parce que je suis en mode studio, mais je suis en train de record mon OBS. Est-ce que je veux que vous voyez... C'est ça. Voilà, c'est juste mes donation goals. On dit au revoir au train. Tac. C'est... Hop. Excusez-moi, je suis en train de... Hop, voilà. Bon. Vous allez voir, c'est pas grave, on va faire quand même comme ça, c'est pas grave. Vous allez voir... Attends, je vais peut-être pas faire cet écran-là. Peut-être faire l'autre. On va faire ça comme ça plutôt, parce que sinon, ça, moi, ça va être chiant pour moi. Attends, capture... Hop. Hop. Ok, alors attendez, j'arrive, hein. On va mettre l'autre écran. Je paramètre tout ça. Alors attends. Faire ça comme ça. Attends, quoi que. Je vais mettre ça en plein écran. Ça sera mieux. Hop. Et pour l'instant, on va faire ça comme ça. Voilà. Tac, et je vais vous mettre cet écran-là. Oh, attendez. Salut Freddy, ça va? Vous allez voir ce que vous allez voir. Si l'écran veut bien. Voilà. Pour l'instant, vous voyez rien. C'est normal. Tac. Voilà. Je vais vous les dévoiler petit à petit. Donc, attendez. Ah! Pas du tout ce que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc là, normalement, est-ce que vous arrivez à lire? C'est écrit très petit, malheureusement. Est-ce que je peux grossir la taille? Je pense que je vais faire ça. Comment on fait modifier? Comment je fais pour... Est-ce qu'on peut les un peu agrandir la taille du truc? Salut Réa, ça va? Hop. Affichage. Zoom. Ouais, mais si je zoom, ça... Ah oui, si. Ça zoom bien, en fait. Ok. Est-ce que on lit mieux si je fais ça? Ça reste... C'est lisible ou pas, pour vous? Est-ce que... Je vais dévoiler petit à petit pour que vous voyez pas tout d'un coup. Comme ça, on les présente un par un. Vous me dites hein, si c'est lisible ou pas, si vous arrivez à lire, ou s'il faut vraiment agrandir à mort. Je peux pas zoom plus, je crois. Ah si, je peux zoom plus. Ah, vous arrivez à lire là? Je pense que oui. Hein. Je pense que c'est lisible là, non? Je vous grossis encore. Ok. Donc. Ouais, il fait trop chaud, on est d'accord. Hein. Enfin bon. Donc, le premier goal que je vais vous présenter est entre parenthèses. Je dis bien qu'il est entre parenthèses parce que c'était un donation goal que j'avais prévu. Enfin, que j'avais eu l'idée de ce donation goal l'année dernière, après mon event caritatif. D'ailleurs, en gros, une fois que mon event caritatif que j'ai fait l'année dernière a été terminé, j'ai eu une idée de donation goal, mais l'année dernière, je me sentais totalement prête à le faire. Mais cette année, je sais pas, je suis pas sûre.
Entre 7 et 10 degrés, quel enfer. Ici, il fait pas du tout cette... Il fait combien ici? Ils disent 24, mais moi je pense qu'il fait plus de 24, hein, parce que moi j'ai chaud. Et ouais, du coup, en gros, c'était ceci. Tac. Pendant un mois, en gros, pendant un mois, je ne fais que des streams matinaux. je le mets entre parenthèses, parce que l'année dernière, je me sentais, il n'y avait pas de soucis, je me suis dit, je vais le faire, normalement ça va être marrant, mais là, cette année, je suis pas sûre de pouvoir le tenir, parce que je suis tout le temps fatiguée, genre, vraiment. Donc pour l'instant, celui-là, il est entre parenthèses, il sera peut-être pas validé, je le mets de côté, mais je pense que je ne vais pas le garder. Ou alors, je le garderai pour un autre event, peut-être, on verra. Le prochain donation goal est plutôt marrant. Niveau fatigue en ce moment, moyen on va dire. Ouais. Bah après c'est un mois mais pas un mois tous les jours. Ça aurait été un mois par exemple le mardi, jeudi, vendredi, tu vois ce genre de truc, tu vois, ça aurait été pendant un mois. Genre pendant un mois mais pas tous les jours. Voilà. Parce que tous les jours, je t'avoue que c'est pas possible, hein. Tous les jours, bon, à un moment donné, faut aller se faire foutre, hein. Et du coup, oui, le donation goal suivant est assez marrant. Je vous laisse juger par vous-même. Deck. Hop. Voilà. Enfin, j'ai compris, tous les jours... Non, t'inquiète. Pas tous les jours. C'est clairement pendant un mois, mais c'est juste que pendant un mois, voilà, je fais... Mais je fais mes jours habituels, mes jours de stream habituels, mais c'est tout. Salut Romain, j'espère que ça va. Non, ça sera pas dans les 8000 balles. Pardon. Désolé, allez, ça voulait pas sortir. J'arrive pas à parler, ça me saoule. Non, Lise, ça sera pas... Ça va et toi? Je vous ai crié dessus, mais bon, à un moment donné, j'en ai marre, je sais pas parler. Oui, du coup, non, ça sera pas du tout dans les plus gros goals, ça. Ça sera pas dans les plus gros goals. Une trine. Salut, Vibrou, ça va? 8000 balles, oui. Tu marches bien, en fond sonore. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, le deuxième donation goal, mais ça sera pas dans les plus hauts celui-là justement. Parce que ça peut être marrant, parce que c'est vraiment juste pour tester, c'est pas pour rencontrer. Genre, je compte pas faire... Je vais pas faire un compte Tinder pour pécho. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment juste pour regarder comment ça se passe dessus, parce que je vois qu'il y a des bails chelous sur ce genre de truc. Hein. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Oui, allez d'abord Tinder, pivote de pied, et alors? Et, si tu peux gagner de l'argent là-dessus, vaut pas le problème, hein. Ensuite, alors ça sera dans les premiers goals. Le suivant, ça sera dans les premiers donation goals. Donc voilà, ça sera au tout début. Genre 5-10 euros, un truc comme ça, je joue à Barbie Adventure. Des pieds de chat. Mais en vrai, c'est trop bien, les pieds des chats, c'est trop mignon. Vraiment de fou, hein. Je te jure, il y a concept, hein. Attends, tu dis voleuse de concept, t'as pas vu le reste des donation goals, hein. Parce que moi, mes donation... donation goals, je sais pas parler, ils sont écrits depuis longtemps. Pourquoi j'ai l'impression d'être bourré quand je parle, ça m'énerve. Ça me saoule. J'appelle un beurre bagarre. Ouais, bah c'est un peu long le beurre bagarre parce que bon, on n'habite pas à côté quoi. Une version sans abonnement où les chats ont des chaussettes. Et pas que du café dans ton café. On a bu du stress en bouteille. Non, mais je sais pas parler, ça m'énerve. Pieds, quel enfer. Oui, non, j'aime pas les pieds non plus. On va pas se mentir que les pieds.
J'ai même pas mis de sucre, c'est un cappuccino, c'est déjà sucré, j'ai pas mis de sucre dedans. Ok, prochain goal, ça aussi ça sera peut-être dans les premiers je pense, parce que c'est là je pense qu'on on peut les classifier, voilà, c'est des trucs assez tranquilles on va dire au début. C'est quand même un sacré bon moyen de gagner sa vie. Bah oui, clairement. Tac. Je teste GeoGuessr en sachant que je suis une maxi merde en géographie. Je suis déjà pas capable de placer les villes de France. En France. Alors, je vais pas vous cacher que faire un GeoGuessr. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais d'une force. Genre vraiment, hein. Je suis une merde en géographie. Bon, quand même, la Tour Eiffel, ça va, tu vois, mais bon... Il y a des trucs, vous savez quand même que... Mon école, parce que je suis dans une école à distance. Mon école est située à Reims. Et puis je ne savais même pas si Reims c'était côté est ou côté ouest. Je ne savais pas de quel côté de la carte c'était situé. Je savais que c'était un peu dans le nord, mais alors après, quel côté, j'en sais rien. Ah ouais, t'as abandonné, putain, moi j'aime trop. Hein. Pour moi, les gens qui me sortent des tu prends la A6 puis après la N22 sur 6 km avant de prendre la sortie 53, je veux dire, gars. Mais oui, vraiment, je comprends pas. C'est un truc de fou. Comment j'arrive vraiment? Moi, je comprends pas comment ils font ça, hein. Le prochain goal aussi, j'aime bien. Attendez, est-ce que j'arrive à rechoper mon truc? Voilà. Mon prochain goal que j'aime bien aussi, mais alors, par contre, ça faudra que je fasse dans mes tarifs, mais... je pense que ça aussi, ça peut être dans les premiers, non? J'envoie des fleurs à, je pense, à un participant de l'event, je ne sais pas. Peut-être. Parce qu'avec... Avec Twitter, tu peux envoyer facilement des fleurs par Interflora sans avoir l'adresse de la personne. Du coup, je me suis dit, ça peut être marrant. Je verrai si j'envoie quelqu'un de... Ouais, bah après, les followers à qui j'envoie. Au VIP. Ouais, je sais pas. Bah après, il faudrait faire une roulette des VIP en mode à qui j'envoie. Je me suis dit, alors que les membres de l'event, pareil, je fais une petite roulette des membres de l'event, je sais pas. Ouais, non, on va éviter. Écoute, je suis pas sûre que le livreur Interflora sera content de devoir traverser l'océan. T'inquiète. 80 balles de frais de port, ouais, faut aller se faire foutre à un moment donné. Pareil, le prochain, ça peut être dans les premiers goals. Le premier, ça peut être dans les premiers goals. Mais on va tous se régaler ensemble, parce qu'on va tous fortement s'amuser devant un épisode de Dingo Pictures. On choisira l'épisode. Et on se régalera tous ensemble. Voilà. Alors, Gnome, tu as spoil, parce que bon, tu as lu le bout des trucs là, le bout des lettres, et tu as spoil. Oui, bah écoute, j'ai mal dosé le truc, ça va. Du coup, oui, je monte une FAQ, comme ça, moi, tout le monde me posera des... Enfin, ceux qui veulent. Eh, écoute, hein.
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est mon argumentation. Argument valide, voilà. du coup, voilà, on regardera un épisode de Deco Pictures ensemble, qu'on choisira, et je ferai une FAQ. Parce que ça peut être marrant à faire. Comme ça, moi, genre, j'espère que j'aurai au moins une dizaine de questions, parce que j'avoue que si je me retrouve avec 3 questions, la FAQ elle va durer 5 minutes. ça serait un peu dommage. Une foire à cul. Ensuite, classique, mais efficace. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Veuillez décider. Je mange un piment. Voilà. Je sais pas. Alors, un piment pas excessivement fort, parce que déjà de un, je pourrais pas. Le manger, je n'arriverai pas à le tolérer si je me prends un truc trop puissant. Et de deux, les 20 interdits de faire des gaules trop extrêmes, entre guillemets, et ils veulent pas que, genre, si on prend un piment extrêmement fort, ils nous l'interdisent. Et je trouve ça normal, il faut quand même que... voilà, ils essaient quand même d'avoir un certain contrôle sur ce qui se passe, c'est normal, il faut pas... voilà. On a eu la réunion informative, donc voilà. Par rapport à ça, je suis plutôt d'accord, faut faire attention. Ouais, mais non, je vais me faire virer de l'event surtout, donc on va éviter, hein. Une tête brûlée, quoi. Non, en vrai, je prends un piment, mais après, je sais pas. Il faut que ce soit un piment qui soit pas trop faible, mais genre peut-être un piment de Cayenne, tu vois. Un piment de Cayenne, c'est assez fort, mais pas trop non plus, tu vois. Et j'adore le piment de Cayenne, en plus. Alors, je sais pas si je vais adorer le manger comme ça, mais ouais, mais j'ai peur que la spette, ça soit genre trop faible, justement. C'est trop bon, le poivron. J'adore le poivron, moi. Je mange un poivron. je mange un poivron et je surjoue la scène en mode ça arrache la gueule, alors qu'en vrai, ça va tranquille. Pour faire des vues sur YouTube. En vrai, Cayenne, ça devrait le faire, non? Trop bon, le poivreau. J'adore le piment de Cayenne. Après, moi, je le mets en assaisonnement dans des trucs, quoi. Donc, je le mange pas tel quel. Oh, la prochaine. Sachez-le, ici, les gens appellent généralement le poivron du piment. Ah ouais? D'accord. Oula. Ah ouais, il est parti. Parti dans tous les sens. Fut une époque, je mangeais des piments comme des chips. Ah ouais? Je pense que je pourrais pas. Hein. Salut Maratax! Merci pour ton follow, Benyata. Bah, salut, salut, pardon. Donc voilà, voici des organisateurs de l'event qui arrivent. je me fais snipe. Donc Pando qui est organisatrice, Wartox qui aide aussi. Alors ils sont vraiment dans le staff, dans le staff pur de l'event. Voilà. On espionne pas, c'est faux. Bah, j'étais justement en train de parler du piment, voilà. J'étais sur le piment. J'étais en train d'expliquer que du coup, il y a quand même une réglementation par rapport au piment, tout ça, enfin, au donation goal qui pourrait être jugé comme extrême. Voilà. Donc j'étais en train d'en parler. Donc je prendrais un truc genre type piment de Cayenne, ce genre de choses, voilà. Je verrai ce que je trouve. J'espère que vous allez bien, du coup. Alors attendez, j'ai raté des messages, je crois. C'est la même famille, même si ça pique pas. Ah ok, d'accord. Ouais, je sais que c'est la même famille, du coup c'est bizarre. Je vous conseille pas de faire... Ah oui, j'imagine, ouais. Et après, je pense que tu chies des flammes à la fin, donc bon... avoir la nuit sans feu, je t'avoue que je préfère éviter, hein. Et bienvenue sur la chaîne.
En tout cas, hâte de te voir à sortir. Ça va être très drôle en vrai. Le piment qui fait pleurer, c'est bon. Ouais, ouais, genre vraiment un piment où je vais être à la sauce. Elle était en train de dire qu'elle va manger du poivron et surjouer la douleur. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Toujours délicatesse ici. Pas de soucis, on te fait confiance. Et oui, ça, super. Bah écoute, ça se passe bien, j'en sais pas très longtemps. À la base, je devais jouer. Voilà. J'étais censée jouer à King's Quest. Mais je vais pas vous mentir que j'ai la flemme de jouer. Mais genre vraiment, surtout King's Quest, où il faut réfléchir. J'ai mon cerveau, il est en pause. Voilà. J'ai des soucis de sommeil et compagnie. Voilà, c'est pas évident à gérer. Donc voilà, j'ai un peu la flemme. Du coup, je vais vous montrer du coup, le goal suivant. Vivrou, celui-là, il est pour toi. Genre, bon, ça sera pas en live que je vais le faire parce que ça, j'ai pas la possibilité d'avoir le setup pour le faire. Mais... Voilà. La foire au bout, non. Je teste une recette de cuisine américaine TikTok, simple à faire, et je mange en live. Voilà. Donc je ne réaliserai pas la recette, je ne la réaliserai pas en live, parce que je n'ai pas le setup qu'il faut. Mais je le mangerai en live. Tu es folle, ma pauvre. Oui, mais écoute, faut bien faire des donation goals qui donnent envie aux gens de donner. Est-ce que les gens, ils ont envie de me voir souffrir? Je pense que oui, concrètement. Concrètement, on va pas se mentir. Vous êtes là pour ça aussi, non? Vous êtes là pour me faire du mal. Moi aussi j'ai la flemme aujourd'hui, je dois remettre de l'essence dans ma... Ouais bah franchement... je suis bien contente de pas avoir de voiture, voilà. Enfin, tu vas faire les tutos horribles Windmill... Ouais non mais là, ah, c'est horrible, rien... En plus je ferai un truc simple à faire parce que bon, voilà, j'aurais pas forcément le temps de faire un gros truc. Mais j'ai pas de quoi setup le fait de filmer dans la cuisine ou quoi, donc ça sera pas filmé. Mais je préparerai ça, je couperai le live et puis je reviendrai, enfin bref, on verra. Et je mangerai ça en live, voilà. Je ferai des plans de coupe du truc que j'ai fait. je suis bien content de rouler à l'électrique. Ah ouais? T'as pris une voiture électrique? 3 kilos de fromage. Ouais, c'est les, eux, ils mettent vraiment du cheddar. Mais alors, le cheddar à balles, quoi. Après, je pense que je le ferai peut-être pas... Je le ferai peut-être pas le truc de cuisine. Je pense que je le ferai peut-être pas pendant l'event parce que ça risque d'être compliqué. Il faudra que je vois après. Une hybride. Ok, d'accord. Au moins quelques photos. Oui, je ferai quelques photos. Voilà. Mais je pense que je ferai peut-être pas pendant l'event, mais voilà. Ensuite, ça sera un gros goal, ça, je pense. Un truc un peu plus dur à atteindre. Voilà. J'essaye de contacter un streamer ou une streameuse, un youtubeur ou une youtubeuse pour faire une épisode, oui bien sûr. Un épisode soit de démo et débat ou autre chose, pour, je sais pas. J'essaie de contacter voilà, quelqu'un de... Un gros streamer, une grosse streameuse ou un youtubeur ou une youtubeuse, je ne sais pas. Mais voilà, quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit, comme disent les jeunes. Voilà, j'essaie de voir comment je fais. Mais ça serait un gros goal par contre ça, parce que je me vois mal contacter Amixem ou je ne sais trop qui pour un truc genre à 500 balles. Et encore, ça se trouve, les 500 balles on les aura pas, mais bon. Quand même, le mieux c'est... ça sera des... ça sera francophone, pardon. ça sera francophone, parce que bon, je parle pas assez bien anglais pour me permettre d'aller contacter des anglophones. Ah oui! Ah, le prochain goal! Ah, le prochain goal, j'adore! Parce que ça va être genre très 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 drôle. Le prochain goal!
Le prochain goal, je fais un best-of des moments pas ouf et pas drôles où il ne se passe rien. Genre tous les moments nuls où il y a un gros silence, où il y a genre vraiment un truc nul, je vais tous les condenser en un seul best-of. en fait... voilà, et je trouve ça mais tellement drôle, juste genre juste des moments où je regarde mon écran ou genre avant une chute de blague. Le best of du cringe. Ah mais de trop hein. ça j'avoue que quand j'ai eu l'idée de ce truc, je me suis dit ça peut être tellement drôle à faire, mais genre vraiment je j'enregistre tous les moments nuls. Je les garde tous dans un coin. Et hop. Alors, attends. Ah oui. Le prochain. Je fais la psy. Pardon. Je fais la psy. Voilà. Je fais une émission où j'essaye de vous aider et vous conseiller pour vos problèmes, qu'ils soient réels ou nuls. Best of chiant, voilà. Il va être plus drôle à faire qu'avoir, c'est ça. Voilà, donc le prochain goal. Je fais la psychologue avec vous. Et que vous ayez des problèmes nuls, ou des problèmes réels, on en discute en live. Ça sera un live exprès pour, donc du coup ça sera pas pendant l'event. Et voilà, j'essaie de vous... avec le montage en live. Vous voulez que je fasse le montage en live? Je sais pas si je serai à l'aise de faire le montage en live. Je me suis cogné l'orteil et j'ai mal, tu m'aides. Mais oui, c'est le truc. Après, ça peut être des vrais problèmes, hein. Ça se trouve, il y a des gens qui auront des vrais problèmes et voilà. Mais si des gens ils viennent pour me dire... Ouais, je mets que des problèmes nuls. Attendez, non, ça sera encore plus drôle. On met que des problèmes nuls. Je fais ça. On verra, ouais, je verrai. Ah ouais. Attends. Ou alors, pour les vrais problèmes, il vaut mieux aller voir un vrai psy. Oui, non, mais bon, des vrais problèmes, genre en mode, tu sais, quelqu'un qui a eu une rupture, un truc comme ça, tu vois, genre ce genre de problème. Mais je pense que je vais mettre que des problèmes, les problèmes nuls, ça sera quand même plus drôle, hein, ça sera quand même plus marrant en vidéo, enfin en live, ça sera quand même plus drôle. Le prochain, il va vous plaire. Et d'ailleurs, pendant le vocal de réunion, je crois que c'était Wartox qui m'avait demandé ça, qui m'a spécifié que ce goal-là, il faut que je le fasse pendant un live en multi, fait pendant un multi pendant l'event, avec d'autres participants, où je dois répondre très premier degré à tout ce qu'on me dit pendant une heure. Mais genre tout ce qu'on me dit. Tout ce qu'on me raconte, pendant une heure, je suis full premier degré. Et ça je pense que ça va vous plaire parce que vous allez faire exprès dans le chat d'écrire des trucs. Dans 136 jours. 27 ans. Quoi? Juste préviens avant. Ouais, t'inquiète. Je le dirai, t'inquiète. Ça va, Wizbot, t'es pas trop en retard? Tu veux qu'on en parle? Ça permettra de se sentir moins seul. Ta 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 ta. C'est surtout pour qu'ils puissent se foutre de ma gueule tous ensemble, hein. C'était plus dans ce sens-là, hein. Ta 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 ta. Du coup, le prochain, là, parce que Vivrou, là, il me parlait d'OnlyFans, là, Vivrou, là. Je sais pas s'il est toujours là, mais je suis sûr qu'il s'est barré. Il me parlait d'OnlyFans. Mais le prochain goal que j'avais organisé, là. Hop! Des figures de style, expression. Oh oui, non mais vraiment, hein, ça va être un truc de malade. Hein. Le prochain goal était déjà prévu, le OnlyFans. C'était déjà prévu, ça serait un gros goal, mais voilà. Mais et si on fait un truc de patoune de chat, je valide. Un OnlyFans de patoune de chat, je le fais.
Vous m'avez trouvé l'idée. Vous avez... Et moi, j'avais écrit « insérer thème ». Vous avez proposé l'idée avant même que je vous en parle. Hop. Patoune de chat. Full patoune. Écoute, hein, faut bien qu'elle serve à quelque chose, hein. Désolée, hein. Faudra acheter des chaussures... des chaussures pour chat. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie d'habiller mon chat, la pauvre, elle va pas kiffer. Je veux juste prendre en photo ces patounes là. Ces petites patounes. Et les prendre en photo. Ta 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 dou. Ah. Ah, le prochain, ce sera un gros goal aussi, hein. Le prochain. Je vous le dis, le prochain, c'est un gros goal, hein. Ça peut être tellement cringe de faire un mode vrai. De faire un mode premier degré. Bah écoute, je verrai comment je fais, mais bon. Fais voir les patounes là. Attention, le prochain, ça sera un gros goal. Et pas un gogol. Voilà. Je vous laisse constater le goal. Voilà. J'espère que le goal vous plaît. Elle nous vole nos Black Sai. Bordel. Bah, Grounded, c'est pas un jeu d'araignée. C'est un jeu où il y a des araignées, mais c'est pas un jeu spécialement d'araignée, quoi. Puis Grounded, je l'ai pas le jeu, il coûte un peu cher. Juste mis mon entrée. Black's Eye. Donc voilà. Voilà. Je vous laisse. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information là. Lily, je ne sais pas si toi si tu es à l'aise avec. Si tu es à l'aise avec. Voilà, avec les araignées, mais voilà. Je suis en train de faire une formation, je corrige le prof toutes les 20 minutes sur des heures qu'il fait... Ah ouais, je connais ça. Je connais ça, t'inquiète, Vigrou. Je l'ai vécu aussi. C'est pire... Aïe, putain, dé. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que Grounded, ça me fait un peu chier de me l'acheter alors qu'il coûte cher. Il coûte cher, j'ai pas les moyens de l'acheter, et bon, à un moment donné, voilà, c'est un truc dans mes moyens, quoi. Faut que ce soit vraiment un jeu spécifiquement d'araignée, waouh. Y'a pas de soucis, Wartox, bon, bonne réunion, bonne réunion à vous. Non, j'ai pas le Game Pass, et le Game Pass ne m'intéresse pas de toute façon, donc... Mais je sais qu'il y a un jeu spécial, spécifiquement, genre, j'en connais qu'un seul pour l'instant, mais ça se trouve il y en a d'autres. Apprendre à parler, impossible, non mais lui il serait impossible. Oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Kill Them With Fire, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Kill It, je crois que c'est Kill It. Kill It With Fire, bordel. Je sais pas parler. J'ai déjà du mal à parler en français, alors en anglais c'est encore pire. Je crois que c'est Kill It With Fire, je crois. C'est un jeu avec des araignées, je crois. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le jeu. Et il est horrible. Quand t'as la phobie des araignées, il y a des araignées partout, c'est horrible. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est horrible. Je crois que c'est ça, hein. Je vais regarder. Tac. Alors, Kill It With... Ah, il y a une VR qui existe. Ça, c'est Kill It... Ah, oh, ça me dégoûte. Déjà, il y a des araignées, là. Regardez. Ah, merde, vous allez pas voir. Si je fais ça... Là, regardez. Ah, ça me dégoûte. Yeah.
Pardon. Ah, la VR, horrible. En VR, ah, jamais, j'ai pas de VR, heureusement, mais de toute façon, la VR, ça me ferait vomir, donc... Y'a pas de soucis, merci d'être passé avec nous, et merci pour ton follow. En VR, c'est mort, hein. Tu viens de voir que... J'ai ultra mal... entré le truc. Ah, le prochain... le prochain goal, ça sera le plus élevé, je pense. Et j'ai la justification du pourquoi ça sera le plus élevé. Mon prochain goal. Voilà. Ah oui, je suis phobique des araignées. Concrètement, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, ma prochaine, mon goal le plus élevé, ça sera celui-là. Pardon. Ça sera... Je fais enfin mon tatouage symbolique. Ça fait depuis 2016 que je veux le faire. Mais bon, voilà. J'économise petit à petit pour ce tatouage. Donc du coup, j'ai un peu d'argent de côté. J'ai 210 euros de côté. Donc voilà, il me restera peut-être pas grand-chose à... Ouais, je vous montrerai, mais ouais, c'est comme c'est un tatouage un peu symbolique. Je vous montrerai plus tard. Là, je l'ai pas... J'ai pas de... La flemme de le décrire. Mais voilà. Donc du coup, ça sera le tatouage... Ça sera le goal le plus élevé. Ensuite, j'ai des goals intermédiaires, c'est-à-dire tous les temps d'argent. Genre, peut-être tous les goals... Tous les goals, comment dire, tous les telles sommes, on va dire, je ferai ça. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que passer un certain palier, genre peut-être tous les 100 euros, tous les 200, j'en sais rien, on verra comment je m'arrange, parce que je sais pas comment ça va se passer par rapport à... Je sais pas trop par rapport à la cagnotte, si ça va monter vite ou pas, enfin, par rapport à ma cagnotte à moi en tout cas. Ou alors je fais sur la cagnotte générale, je ne sais pas. Je ferai un jeu que je n'ai pas envie de faire. C'est-à-dire un jeu d'horreur, Alt F4, ce genre de truc. Sachant que j'ai pris le 2. Donc voilà, des jeux que j'ai pas envie de faire. Voilà. Bon, c'est aussi le principe, hein, de Nation Gold, de souffrir. Pourquoi mon micro était tout en rouge, là? J'ai pas gueulé, pourtant. Ah, c'est ça. Ah. Ah bah tu sais, j'ai déjà joué à Alt F4 en live. Là je ferai le deuxième, je pense. Il est gratuit ou pas, Getting Over It? Oh, que je vois. Je sais pas. C'est ça? C'est un truc anti-stress. Tu peux cliquer. Là, c'est une sorte de joystick que tu tournes. Ça, c'est... Alors, ça, là. Là, c'est un truc où pareil, ça tourne. Là, c'est des petits boutons. Et puis, y a ça, là, ici. Là, ça roule, ça tourne et tout, voilà. Un truc anti-stress. Voilà, tout simplement. Hop, et... Et voilà, exactement. Voilà, je vous dévoile tout maintenant, ouais, c'est bon. Tac, donc on les classera ensemble, voilà. C'est le but du live. Défi, chaque gros mot, genre moi, chaque gros mot, égale 1 euro dans la cagnotte. Genre pendant un jeu d'horreur ou un truc comme ça. Genre pas pendant tous les 20, parce que bon, à la fin je vais lâcher un smic, mais... voilà. Rien de ruiné. Pendant un jeu d'horreur ou un truc comme ça. Vous voyez? Pas pendant tous les 20. Parce que pendant tous les 20, voilà. Là, c'est Mayan SDF qui demande, de l'argent pour vivre. Voilà, on va éviter. Peut-être, voilà. Mais j'ai trouvé cette idée de goal assez sympa. Je trouve ça marrant.
Mais voilà, ça sera vraiment sur une durée déterminée quand même, hein, parce que sinon, faut pas décoller quoi. Au bout de 5 minutes de jeu d'horreur, bon, j'arrête parce que pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai plus de sous, mais oui. Non, mais en vrai, voilà. Sauf qu'en plus, je m'en rends même pas compte quand je dis des gros mots, donc c'est tellement une ponctuation pour moi. Et que du coup, c'est compliqué. Donc voilà. Je pense qu'on va commencer à les classer si vous êtes prêts. Si tout le monde s'est pas barré entre temps. Au bout du troisième goal. Parce que moi, du coup, je n'ai absolument aucune idée de comment les classer. J'ai aucune idée de quel montant mettre à quoi. C'est vraiment le truc que j'arrive pas trop à visualiser, pour être tout à fait honnête. C'est pour ça que je voulais faire avec vous. Je ne sais pas trop... Je ne serai pas trop regardant sur le fait de bien tenir le compte. C'est-à-dire... Ah, tu veux dire de compter le nombre de gros mots que j'ai dit. Bah, faudra que quelqu'un le compte, hein. Dans tous les cas, il faut que j'ai des gens, ou alors moi, mais bon... Faudra que moi je compte, mais je risque d'oublier, donc faudra que je les note à chaque fois. Pas c'est un centime, non. non, allez, un euro, c'est pour le beau jeu. Un euro, ça va. Pas drôle sinon. Pendant tous les 20... Ouais, mais non... En plus, la flemme de compter les centimes... Honnêtement, la flemme de compter les centimes. Parce qu'à la fin, genre, vraiment, je vais être avec, genre, 350 centimes, je vais être en mode... calculer, et genre, vraiment, autant pour vous, c'est évident, vous allez me dire combien ça fait, autant moi, je suis en mode... Autant moi, pour moi, ce genre de truc, c'est trop dur à calculer. C'est mon cerveau, il est pas adapté à ce genre de truc. Je l'ai vu, hein, quand j'ai fait mon test de QI pour voir si j'ai un TDA ou pas. C'est compliqué. Disons qu'on va compter un putain de bordel de merde comme un gros mot, quoi. Tu penses? La notif. Non, moi je pense que 1 euro c'est quand même plus simple. Alors c'est sûr que ça va faire plus d'argent à la fin, mais c'est le but aussi. Le but c'est quand même que l'association elle reparte avec de l'argent. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on commence à faire le classement ou pas? Vous êtes prêts à le faire ou pas? Parce que moi j'avoue que je n'ai aucune notion là-dedans, enfin genre... trop compliqué pour moi de réfléchir. Tout ce qui est chiffres, genre vraiment pour être franche, tout ce qui est chiffres, pour moi, c'est un enfer. Donc du coup ouais là, le classer par ordre, enfin genre pas par ordre, mais genre... autant par exemple, vous voyez ça par exemple là, ça peut être genre 5-10 euros, un truc comme ça, vous voyez, c'est un petit goal ça. Bah en fait la personne qui m'a fait le test m'a dit que elle pense pas que j'ai de la dyscalculie, c'est juste que je réfléchis pas pareil. J'ai une manière de réfléchir différente et donc du coup avec les chiffres j'ai du mal des fois, genre quand je dois faire un calcul mental, c'est un peu compliqué. Quand j'ai dû faire un calcul mental, en gros, ce qui s'est passé c'est que je sais pas mettre les trucs dans le bon ordre en fait. Genre, quand j'arrive au résultat, je suis presque au bon résultat, mais sauf que je sais jamais si c'est un au-dessus ou un en-dessous, je sais pas comment expliquer, je suis désolée, je... Si admettons le résultat c'est 19, je vais dire 20, par exemple, parce que j'ai compté à l'envers, enfin pas compté à l'envers, mais j'ai mal compté, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai... En fait, j'ai... Ouais, alors je sais pas comment expliquer, je suis désolée. Mais j'ai vraiment un problème avec les chiffres et ma façon de réfléchir, elle est pas adaptée à ça, en fait. C'est pour ça que je me sens toujours un peu bête, mais voilà, c'est juste que bon, bah, mon cerveau, il réfléchit différemment que les autres cerveaux, et du coup, voilà. Ouais, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est un peu compliqué à expliquer.
Mais ouais, j'avais des calculs mentaux à faire. Et j'étais en mode, alors je sais pas si c'est ça le résultat ou ça. Et bon, à chaque fois, t'avais une chance sur deux. Et puis voilà, je me trompais quoi, à chaque fois. Parce que ouais, je sais pas, je sais pas comment mon cerveau fonctionne. Je ne le comprends pas, mon cerveau. C'est très dur. Ok, donc pour vous, c'est quoi le mieux en premier? C'est Dingo Pictures ou Barbie en premier? Genre à 5 euros, 10 euros, un truc comme ça, enfin un petit montant. Barbie en premier? Genre je le mets à 5 euros? Dingo c'est pire? Genre je mets 5 euros pour Barbie? J'ai pas envie de commencer à 1 euro ou quoi, bon on s'en fout. En général, quand tu lances un event caritatif, t'as toujours des dons avant, donc au final, ça sert à rien de commencer à 1 euro. Moi, l'année dernière, quand j'ai commencé mon live, je vais faire un truc à 1 euro et au final, j'avais déjà 5 euros dans la cagnotte, quoi. La cagnotte. Donc, je pense que je vais mettre peut-être... Ouais, 5 euros. Badibou, babou. Quoi, tu vas partir? Par là, hop, tu dégages, toi, hop, hop. Donc, Dingo, je mets à combien? En sachant que ça, le tatouage, ça sera le plus gros goal, hein, genre 2000 euros, je sais pas, tu vois, un truc que j'atteindrai jamais. Par exemple. Je suis en train de réfléchir à un truc par rapport à ça, genre si je mets tout toutes les centaines, genre dès qu'on passe une centaine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre si on passe de 200 à 200 par exemple. Mais j'ai peur en fait de la comment ça s'appelle, de la fréquence. Je sais pas comment organiser ça. Vous en pensez vous? Bon, on voit ça après, mais bon. Donc les araignées. Alors je sais pas quoi mettre, genre. C'est vrai qu'il y a certains goals, ils vont se bousculer entre ceux qui seront le plus haut, on va dire. OnlyFan. Attends, je suis en train de réfléchir. À votre avis, il vaut mieux mettre... il vaut mieux mettre... Ouais, excuse-moi, j'allais dire... Il vaut mieux mettre... Contacter le gros streamer ou la grosse streameuse plus élevée ou moins élevée que le OnlyFan. Donc le OnlyFan, ça sera vraiment des patounes de chat. Ça sera vraiment... Il n'y aura pas de photos subjectives de moi ou quoi. Ouais, je sais pas les classer. Je sais pas trop les classer. Par gros, tu penses combien de followers? Ben gros quoi, genre... Bah, je sais pas moi. Honnêtement, je sais pas, ça pourrait être genre Bagheera John, ça pourrait être... même si elle va m'ignorer, mais bon. Le principe n'est pas d'avoir une réponse positive, négative, ou d'avoir une réponse tout court. Le principe, c'est juste de contacter la personne. Voilà. C'est juste de contacter la personne. Après, ça s'arrête là, quoi. C'est pas... C'est si la personne ne me répond jamais, elle me répond jamais. Si elle me répond non, elle me répond non. Alors, le plus probable, c'est que j'ai jamais de réponse. Moins cher que le OnlyFans.
Bah, je sais pas, si la personne est d'accord, voilà. Mais je pense que la personne ne répondra jamais, genre elle va voir, soit ne verra même pas le message, soit la personne ne verra même pas le message, soit elle le verra, elle va marquer un vu, et ça c'est le plus probable. C'est le plus probable, c'est normal. Je suis une random, les gros streamers, grosses streameuses, les gros youtubeurs ou youtubeuses doivent recevoir des messages à l'appel. Mais genre vraiment un truc de fou, hein. Ils doivent recevoir des centaines de messages par jour. Donc c'est normal que je me prenne un vent. Si je mets 1000 euros, le OnlyFans, ça vous semble logique, ça vous semble bien ou pas? Mille euros? Et le youtubeur, je vais mettre peut-être 950. 950 euros. Parce que ça reste une grosse somme. Merde, je l'ai mal placé. Mais putain, mais je le fais exprès ou quoi? Trop conne, hein. Tac. Ok. Ensuite, le répondre premier degré, je peux mettre ça plus vers le début, non? Le répondre premier degré. Je peux mettre genre 50 euros, un truc comme ça, hein. Je pense. Genre 50 euros, ça peut être pas mal. GeoGuessr. GeoGuessr, je peux mettre dans le début aussi, je peux mettre genre 20 euros. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi si je fais ça? Si je mets 20 euros, GeoGuessr, 50 euros, répondre au très premier degré. Dingo Pictures, vous verriez combien? 100 euros? J'essaie de classer à peu près correctement, mais 150? L'émission où j'essaie de vous aider, je peux mettre aussi vers le début, hein. Je crée le compte Tinder, ça je veux pas le mettre trop haut non plus. Peut-être 300, allez vas-y. 300 euros. C'est quand même pas mal cher en vrai, 300 euros, parce que mine de rien c'est quand même 300 euros. Hein. Les fleurs. Pour vous, les fleurs, ça vaudrait combien? Envoyer des fleurs à quelqu'un. En sachant que les fleurs, ça a quand même un certain prix, hein. Y a pas de souci, rien. Merci de passer, bonne soirée. Mais ça coûte quand même, voilà, c'est pas... Bah, ça peut coûter cher, des fleurs, hein. Je pense 100 balles la recette. 100 balles la recette? Tu penses que la recette c'est moins pire que Dingo Pictures? Je pense que genre bouffer une recette américaine c'est moins chiant que Dingo Pictures? Es-tu sûr de toi? On parle quand même de bouffer de la... une recette américaine TikTok, hein. Oui, mais ça sera avec des produits français, mais quand même, ça sera quand même une recette à... Ok. Les araignées, on peut mettre... Les 500, je les avais atteints, donc
Bah, Dingo Pictures, c'est des contrefaçons de dessins animés. Voilà. Parce qu'en gros, tu connais Disney. Bah, Disney a sa contrefaçon. Putain! Disney a sa contrefaçon qui s'appelle Mondo World. Eh bien, Dingo Pictures est une contrefaçon de Mondo World. Vous comprenez? Voilà. C'est vraiment une contrefaçon de contrefaçon. C'est de la merde. C'est mal dessiné, c'est mal doublé, c'est mal animé. Y a rien qui va. Voilà, en gros c'est ça. Salut Naka, merci pour ton resub. Dis-moi Naka, ôte-moi d'un doute, parce que j'ai une mémoire absolument merdique. C'était hier ton anniversaire ou pas? Parce que tu m'avais dit que c'était pas longtemps. Je sais plus si c'était le 4 ou le 6. J'ai un doute. J'ai une mémoire, mais à chier. Mais genre vraiment. Sur Google, effectivement, c'est très... Oui, c'est très 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 moche. Oui, c'est bien. Eh bien, écoute, bon anniversaire en retard, désolé. J'ai une mémoire, mais laisse tomber, hein. Genre vraiment... En plus, à chaque fois que je voulais vérifier, ben, j'oubliais 2 secondes après. J'étais à chaque fois en mode... Mon cerveau, tu vois, genre mon cerveau, ça rentre d'un côté, vraiment, ça sort de l'autre. C'est vraiment... Au bout de 3 secondes, j'oublie. Du coup, désolé. Du coup, là, on est en train de faire les donation goals. Je te laisse observer les donation goals, voilà, que j'ai organisé. On est en train de les classer par palier, par thune, rapportée dans ma cagnotte. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 à classer. Il reste 5 à classer. Donc j'ai mis 500€, je joue à un jeu avec des araignées. Moi qui suis arachnophobe, voilà. Donc si les 500€ sont atteints, sachant que l'année dernière, à mon event, on avait eu sur notre cagnotte perso, on avait eu 700, je sais plus combien, 700 et quelques. Je sais plus combien on avait eu, 700, je sais plus, mais bref, on avait un peu plus de 700€. Donc je pense que les 500€, on peut peut-être les faire. J'ai dit on peut peut-être les faire. Les autres 950, 1000 et 2000, ça on est sûr, sûr à 100% que ça passera pas. Mais je les mets volontairement haut parce que bon, je veux pas non plus que ça soit atteint en 3 secondes quoi. Du coup, les fleurs. Envoyez des fleurs à quelqu'un. Padapadam. À combien vous voyez ce goal? Ta-da-dam. 200€? Pa-pam. Pa-da-da-dam. Pouet-pouet. Da-da-dum. Pouli pouet 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 pouet. Le best-of du vide, 250. Ouais, faut voir parce qu'il faut quand même qu'il y ait des trucs entre 300 et 500 quand même. Quand même que j'ai des trucs genre entre 300 et 500 quand même qu'il y ait des choses quoi. Bah, j'hésite à mettre 400. Donc, tac. J'aurai que des problèmes nuls, hein, je rappelle. Et tu m'avais dit 250. Ça du coup, 250, tu penses? Le best-of où il se passe rien, tu penses 250? Vous en pensez quoi, le chat? Parce qu'après, la FAQ, vous voyez combien aussi? Le chat, c'est que le sound service, vous en pensez quoi? Autre que le sound service, pardon. Peut-être que tout le monde est parti en vrai, hein, j'en sais rien.
tac. Attends. Ah. Merde. Je sais pas écrire. Pam, badadadam, papam. Du coup, on commence à y voir un peu plus clair là-dedans. Il manque la FAQ et le piment. Le piment ou la FAQ, c'est quoi qui est... T'inquiète, y'a pas de soucis, Naka. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Pour vous, c'est quoi le plus chiant à faire entre manger un piment et faire une FAQ YouTube? Bah je sais pas, je t'avoue. Que j'ai jamais mangé un piment comme ça. J'ai jamais croqué dans un piment directement. Et j'ai jamais fait de FAQ, donc... Monter sur YouTube et tout, jamais... Je n'ai jamais fait ça. Mais bon, pour l'expérience, ça peut être marrant. Le piment, j'ai fait avant et flûte un temps. Verdict. Donc tu penses le piment d'abord et la FAQ après ? Tu peux le digérer, c'est ok, sinon tu vas souffrir. Bah je pense que niveau digestion ça devrait le faire. Après j'ai l'estomac un peu fragile donc du coup voilà, mais bon. Après c'est un piment. C'est pas comme si j'allais acheter un sachet avec 50 piments et voilà. Bah attends, j'ai toujours du lait chez moi donc... Donc piment d'abord et ensuite... piment d'abord et ensuite FAQ. Donc du coup, quel montant vous voyez? Ça commence à devenir un peu plus lisible tout ça. Parce que là du coup on a entre 400 et 500 donc... ça je mets 350. Je pense que je vais faire ça, 350 ici. 400. Et là, 450. Du coup, ça fait 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 150 euros, 200 euros, 250 euros, 300, 350, 400, 450, 500, 950. On passe vraiment de 500 à 950, hein, parce que bon, c'est quand même des gros gols. Et encore une fois, pas des gogols, s'il vous plaît. Ba 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 bi ba bi bou. Là les derniers sont volontairement hauts. Normal. Ils sont volontairement hauts les trois derniers parce que bon ben voilà quoi, c'est quand même des gros trucs hein. Je sais que je ne les atteindrai jamais mais voilà, au moins vous savez que c'est là. Tous les temps d'euros. Pour ce goal là, vous en pensez quoi vous? Donnez-nous un signe. Ah salut Velvet. Merci pour le raid. J'espère que le live s'est bien passé. Salut. Oh, je sais jamais prononcer ton pseudo. Si je dois t'appeler Tmar, je sais jamais comment prononcer ton pseudo, je suis désolée. Salut Maskawai, j'espère que vous allez bien. Tmar. J'espère que votre live s'est bien passé. Merci pour le raid. Salut Fodanem, ça va? J'ai l'impression d'avoir gueulé ton pseudo. J'ai vraiment l'impression d'avoir gueulé ton pseudo là. Salut Valvet, j'espère que ça va. On est en train du coup de
Attendez, j'ai bugué. Connexion internet, c'est pas terrible, donc j'en profite pour piquer celle de. Celle de Seb. Voilà, donc là, pareil, hop, poum, dans l'eau. Voilà, il s'est pas nagé. Voilà. Ton clip en même temps. On va l'appeler Grégory. On va l'appeler Grégory. Pas ce clip. Oh non. Oh le clip. Oh là là. Pourquoi j'ai coup. Oui, je sais pas pourquoi je t'ai agressé, Fallenheim, je ne sais pas. Écoute, moi ça va, un peu fatigué, mais bon. J'avoue que les clips, c'est jamais. Il y a un clicker sur ma chaîne et ça tombe dessus. Non, mais vraiment, le truc, il a le don de choisir le pire. On t'en tient pas à rigueur, t'inquiète. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire les donation goals. Parce que le mois prochain, je participe. Merci pour ton follow. On participe à un event caritatif, du coup. Event caritatif pour l'association. Pardon, je n'arrive pas à parler, je suis. Voilà. Ensemble pour la cause animale. En gros, enfin, pour la protection animale, pardon. C'est une petite association qui se situe dans le 28. Qui n'est pas très connu du coup, et l'event caritatif Dream of Cats a décidé du coup de faire un event caritatif autour de cette association. Une association pour les chats, notamment les chats errants, tout ça, qui ont besoin de familles d'accueil, etc., qui ensuite trouvent une famille définitive. Et du coup voilà, c'est un event caritatif qui va faire sa première édition le mois prochain. Oui, non, mais c'était pour dire que le... Je parlais de l'association. Ouais, de l'association. Ensemble pour la cause animale, c'est les chats. Chats. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, ça choisit toujours un clip où on est dans la pire situation. Je viens... Faut que je rajoute... Je l'ajoute dans la section des événements sur le newsletter. Bah écoute, merci pour l'association. Enfin, pour l'event. Waouh, j'ai des bugs vraiment. Et moi, c'était pour te faire chier. Je pense que c'était tout aussi évident, non? Vive les chats. Donc voilà, ça va être. Voilà. Je sais pas parler, j'en ai marre, je vous jure, c'est fatigant. C'est cette association. Ah, c'est dur à dire. C'est cette association qui sera mise à l'honneur. Ah. Voilà. Et donc, du coup, on a pu commencer à en parler le 5, là. Ouais. Et là, je fais mes donation goals. Alors, c'est le mois prochain. Redis le 5 fois vite fait. Non. Ça a déjà été dur de le dire une fois. Je vais pas le dire 5 fois. Sans cette superbe association splendide. Ça va, j'ai pas trop galéré. Ça va. Et du coup, voilà, on fait nos donation goals. Alors, mes donation goals, je les avais déjà réfléchis. Donc, c'est pour ça que là, ils sont déjà tous affichés. Et j'avais juste besoin du chat pour les classifier. Donc, je vous laisse admirer mes donation goals. Pour 5 euros, je joue à Bardi Adventure. Donc, ça va être vraiment le premier truc que je vais faire en live, je pense. 20 euros, je joue à GeoGuessr en sachant que je suis une grosse bite en géographie. J'y connais rien, je suis merdique. Je sais pas vous situer les trois quarts des lieux en France, alors que c'est mon pays. Pour 50 euros, oui, j'ai 10 bits. Pour 50 euros, je dois répondre très premier degré à tout ce qu'on me dit pendant une heure. Tu sais situer tout, oui, mais c'est à côté de chez moi quand même. Alors je le situais à peu près. Je vais pas le préciser, ça sera pas précis quoi quand je le situais, mais bon. Donc voilà, pour 50 euros, je dois répondre très premier degré à tout ce qu'on me dit pendant une heure. Voilà, ça va être marrant ça aussi, parce que je sais que le chat il va faire exprès de me faire. De mettre dans des situations. Voilà. Pareil, je serai en vocal à ce moment-là avec d'autres personnes de l'event, donc du coup, pareil, ils vont faire exprès de me mettre dans des situations où je vais être obligé de répondre premier degré, quoi. Pour tout ce qui va être imagé et compagnie, je vais devoir tomber dedans exprès, hein. Voilà.
Pour 100 euros, je teste une recette de cuisine américaine TikTok simple à faire et je le mange en live. Ça, je pense que je ne le ferai pas pendant l'event. Ça sera pas évident de le faire pendant l'event. Je le ferai. Pour le coup, je le ferai hors event. Mais voilà, moi, ça sera débloqué. On sait que ça sera à faire. Voilà. Pour ton truc premier degré, j'ai presque envie de te dire pendant. Une heure, un euro supplémentaire, c'est 5 minutes de plus. Après, faut voir parce que ça. Le problème, c'est qu'il va y avoir des dons. Le problème, c'est qu'il va y avoir des dons tout le long de l'event. Donc, du coup, je vais devoir être premier degré tout le long de l'event, tu vois. Alors, autant ça sera marrant pour vous, autant moi, au bout d'un moment, ça va être fatigant et. Voilà. Je pense que Lily veut ma mort, on est d'accord. On est totalement d'accord, Lily veut ma mort. Voilà. Donc là, je vous fais le récap des trucs. Donc, pour 150 euros, on regarde Dengo Pictures ensemble. Un épisode de Dengo Pictures ensemble. On choisira sur le moment lequel épisode on regarde. Mais on essaiera de trouver le plus nul, si possible. Parce que, il y en a certains qui, étonnamment, sont à peu près bien doublés. Et à peu près bien animés. Donc voilà, on va choisir vraiment un qui a été fait à l'arrache. Parce que, il y en a... Parce qu'il faut savoir que Dengo Pictures, c'est allemand. Et que y a certains doublages qui ont été faits en français par des Allemands qui ne parlent pas français. Et du coup, ça donne des trucs très drôles. Parce que tu vois qu'ils galèrent et qu'ils savent pas trop prononcer les mots et qu'ils savent pas trop la traduction, elle est plus qu'approximative. Ils ont dû faire un truc sur Google Translate et c'est vraiment merdique. Et du coup, je trouve que ça rend le truc encore plus marrant. pour 200 euros, j'envoie des fleurs à, par exemple, un participant de l'event, il faudra que je détermine. Voilà. Un participant de l'event ou je sais pas, il faudra que je vois. Mais pour 200 euros, j'envoie des fleurs à quelqu'un. Pour 250 euros, je fais un best-of des moments pas ouf et pas drôles, où il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, il faudra que je fasse un best-of, on va choisir des clips. Mais vraiment des clips nuls. Ou on va juste couper les clips. On va couper les clips, genre vraiment, le principe c'est que vraiment, il n'y ait que des blancs, qu'il n'y ait que, alors, s'il vous plaît, sortez pas ça de son contexte, quand je dis qu'il n'y a que des blancs, je parle vraiment du fait que je ne vais pas parler, voilà. c'est pas du tout, voilà. Qu'il n'y ait que des trucs pas drôles, des trucs genre juste je parle pas, en fait, ce genre de trucs, voilà. Et genre, je pourrais faire un truc marrant aussi où je coupe le clip juste avant qu'il y ait un truc. Enfin, imaginons qu'il y ait un truc drôle, ben je coupe le clip vraiment juste avant. Et ça peut être drôle. Juste avant la chute. Pour 300 euros, je crée un compte Tinder pour l'expérience. Voilà. C'est pour l'expérience, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas pour pécho, c'est vraiment juste pour garder. Tinder, comment ça se passe dessus. J'en aurais rien à foutre des gens. Voilà. 350 euros. Je fais une émission où j'essaye de vous aider et de vous conseiller pour vos problèmes, mais entre parenthèses, des problèmes nuls. Oui, c'est ça, tu vois, c'était ça l'expérience. Et c'est pour ça que je t'avais dit que je voulais attendre un moment. Je voulais attendre un moment un peu plus opportun pour le faire. Je voulais attendre un event caritatif pour le faire. C'est ce que je te disais. Ce sera plus marrant. Je me dis au moins ça sera issu d'un défi, au moins ça sera pas juste pour le fun comme ça. Donc voilà. L'émission où j'essaie de vous conseiller pour des trucs nuls, c'est-à-dire que vraiment vous aimez venir pour des problèmes. Genre vraiment des trucs nuls à chier quoi. Genre vraiment des trucs, genre des problèmes de la vie. Genre comme tout à l'heure il y a eu l'exemple, je me suis cogné l'orteil contre un meuble sur un truc quoi. Des problèmes pourris. Suspendre mon compte pendant l'event. Pourquoi? Donc voilà, ça va être les problèmes nuls. Pour 400 euros, je mange un piment. Donc à définir le piment, mais ce sera peut-être un piment de Cayenne, je ne sais pas. Faudra que je vois, j'achèterai ça avant l'event. Parce que bon, voilà, faut pas non plus que le truc il soit. Voilà. Qu'il soit quand même un peu frais quoi, parce que sinon j'ai pas envie d'être malade. Pour 450 euros, je monte une FAQ pour YouTube. Donc voilà, vous me poserez vos questions.
En espérant que j'ai au moins 2-3 questions, quoi, un minimum. Et je répondrai sur YouTube, sur mon petit montage. Et voilà. Ça va être marrant. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, ça sera vraiment une première pour moi. Ensuite, je fais pour 350 euros, pardon. Ah non, ça j'ai déjà dit. Pour 500 euros, pardon. Je joue à un jeu avec des araignées et j'essaie de tenir une conversation sans perdre patience. C'est-à-dire que moi j'ai la phobie des araignées. Je vais lancer un jeu avec des araignées et je vais devoir discuter avec mon chat. Voilà, discuter avec le chat de manière totalement normale en fait. Sans. Voilà. Je dois tenir une conversation tout à fait classique. C'est-à-dire que je dois pas crier, je dois pas stresser, je dois pas. Voilà. Je veux rester le plus naturel possible. Voilà. Faut quand même me faire parler un petit peu, tu sais, au pire tu mets le chat dans un coin. Au pire tu caches le live, tu mets juste le chat dans un coin. Déjà que de base tenir une conversation classique avec le chat c'est compliqué, mais oui, mais bon. Là ça va être compliqué parce que, bon ben voilà, les araignées, tout ça. Mais ça va être marrant, ça va être marrant. Ça va être très drôle. Ça va être plus drôle pour vous que pour moi, mais bon, ça va être très drôle. Voilà. Donc du coup là on passe de 500 euros à 950 euros parce que ben, là on passe sur des trucs beaucoup plus on va dire plus dur à faire, voire impossible à faire. Enfin du moins pour 950 euros. 950 euros, j'essaie de contacter un ou une grosse streameuse, youtubeuse, peu importe, ou youtubeur, enfin bref, vous avez compris, connue. Pour faire une vidéo avec, donc je sais pas, ça serait pour un démo et débat ou de bois. Démo et débois. Démo et débat, je sais pas, je verrai. Et ouais, je verrai sur le moment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'organise. Et on essaie de faire un truc, un petit feat. Voilà, ça peut être marrant. Évidemment, la personne ne me répondra jamais, ne verra même pas mon message. Et si elle voit mon message, je vais me prendre en vue. Normal. Ce sont des personnes qui doivent recevoir des centaines de messages par jour. Voilà. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une réponse. Mais au moins, ça sera fait. J'ai pas envie de harceler la personne. Hein. J'ai pas envie de lui spammer de messages en mode... toutes les trois semaines, envoyer un message en mode « Hey, tu m'as pas répondu !» Juste me faire bloquer, et ça va servir à rien au final. Pour 1000 euros, j'ouvre un OnlyFans de Patoun de chat. Voilà. Parce que ça va être marrant. Pour 2000 euros, je fais enfin mon tatouage symbolique, mais entre parenthèses, sur une très grosse somme, c'est cher un tatouage, wesh. Parce que, on va pas se mentir qu'un tatouage, bon voilà quoi. Je t'ai renseigné pour le tatouage que je voulais faire, c'était entre 300 et 400 euros. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis une grosse somme. Donc, pour 2000 euros. Voilà. Chiche, on envoie toutes nos patounes. Mais oui, il y a des patounes de chat. Mais bon, pour ça, faut atteindre les 1000 euros sur ma cagnotte perso. Et pour atteindre les 1000 euros sur ma cagnotte perso, il faut faire des dons ou partager les ventes. Parce que si vous ne pouvez pas. Bon, disclaimer, encore une fois, on le prévient à chaque fois, mais on va continuer à prévenir à chaque fois. Si vous ne pouvez pas permettre de donner à un event caritatif, ne vous forcez pas, ne vous mettez pas dans la merde, ou ne culpabilisez pas. C'est important de le savoir. C'est important. Parce que... tout le monde ne peut pas se permettre financièrement de donner de l'argent pour une cause. Donc... voilà. C'est juste pour prévenir. Si jamais vous voulez participer pour l'event, juste votre présence dans le chat, discuter dans le chat, parler de l'event, partager, etc. Ça suffit énormément. Vous imaginez pas le coup de boost que c'est. Que voilà, ne vous sentez pas forcé de donner de l'argent, ne vous sentez pas mal de ne pas pouvoir donner, voilà. Ne vous mettez pas dans la merde. C'est important de le rappeler. On va le rappeler à chaque fois, on va continuer à rappeler pendant l'event. C'est important. Je me sentirais trop mal, vraiment, je vais pas vous mentir, je me sentirais vraiment très mal si quelqu'un se mettait dans la merde pour me mettre de l'argent dans ma cagnotte, je serais en mode bon quand même. Et voilà,
c'est important quand même de faire les choses selon comment vous pouvez quoi. Du coup là le truc ça je le garde de côté au cas où, mais bon je pense que j'en aurai pas besoin. Donc ça c'est bon, on peut l'enlever. Pour les ça là. Pour tous les temps d'euro, je joue à un jeu que je ne veux pas faire, entre parenthèses, jeu d'horreur, Alt F4, etc. Et à chaque gros mot, donc ça sera le défi pendant ce moment-là, chaque gros mot, donc je suis quelqu'un qui ne jure pas beaucoup, voilà, pas très, j'ai pas beaucoup de gros mots, voilà. Chaque gros mot égale 1 euro dans la cagnotte, genre pendant un jeu d'horreur ou un truc comme ça. Ouais, jamais, je suis la pureté incarnée. Je suis la pureté incarnée. 15 minutes de giron. Je suis totalement pure. N'allez pas regarder. Attendez. Oula, doucement. Attendez, hein. Alors, en sachant que le début c'était un peu soft, hein. Je suis pas quelqu'un qui jure beaucoup. Prends de la musique. Hop. Ça date, hein. Quoi ? Ça date, hein. À quel moment ? J'ai pas compris. Ah, attendez, c'est le... Il a glissé. Est-ce que vous entendez ? Non mais il y a un moment, hein, c'est du foutage de gueule, on appelle ça du foutage de gueule. Dans le milieu. Je pense que c'est bon le niveau son, non? Salut Niling, ça va? Écoute, tu me pètes les couilles, ça va, et on m'en veut, merde, hein. Je jure pas du tout. Mais... Oh, Arnaud, mais c'est un truc de malade d'être comme toi, en fait, comment tu te suis? Attends, parce que je suis... Est-ce que je suis vraiment HD? Impression. Porte Arnaud dans la vie de tous les jours, c'est un truc de fou, hein. Je voulais que tu le fouilles. Oh! Pareil, il fait chaud. Je suis en train de montrer aux gens que je suis pas quelqu'un qui jure beaucoup. Non. Je suis en train de montrer aux gens que je suis pur. Je dis pas beaucoup de gros mots dans ma vie. Allez. Attention le son parce que là j'avais un ancien micro. La porte! Non, la porte! La porte! Ouvre la porte! La porte! Bon là ça va, je gueule juste la porte là. La putain de la porte! Putain de la porte. Putain de la porte! Mais avance! Je ne jure pas! Je suis pur, je vous dis. Je suis l'innocence incarnée, salut Dobby. Mais putain, je vais l'enculer! Sors ton épée! J'en ai marre. Geralt, il faut jouer! Nous attendons après toi! Non mais, je vais t'enculer quoi là! Je te jure qu'il y a un moment donné, ça va partir tout seul, tu vas rien comprendre à ta vie! T'es pas tout si fan, hein! Putain. Là c'est passé! Salut Dobby! T'as parti. Mais oui. Ouais. C'est qui hein. Sauvé Daron. Non, je suis calme, je dis pas de gros mots. Non. Non mais putain d'enculé ta race. Putain. Je te déteste. Je dis pas de gros mots du tout. Jamais. Mais putain, mais d'enculé de ta race, il y a un moment donné, saute, le hein, voilà. Putain d'enculé de ta race, il ressort souvent, hein. Là, saute sur ce putain de crochet de ta mère.
Mais meurs par contre. Pourquoi tu... Mais Geralt, meurs. Je veux que tu meurs. Meurs. Voilà. Oh là là. Monte. Mais putain, mais si tu montais directement. Mais putain, mais monte. Oh putain, l'accent qui ressort quand je m'énerve. Monte. Mais monte. Mais je te dis de monter, mais pas de descendre. Monte. Oh là, l'accent qui ressort de fou quand je m'énerve. Va te faire foutre, de toute façon, va te faire foutre en fait. Juste va te faire foutre en fait. Bon, c'est pas ce point là en vrai. Je n'ai plus de potion. Je veux fuir, bon sang. Et j'ai dit bon sang. Je veux juste fuir en fait, je ne veux pas me battre, je veux juste fuir. Ta mère la pute. Je voulais fuir. Ta mère la pute. Oh le ta mère la pute qui était... Il était si... Ah bah Arnaud c'est un connard aussi là. Oh la yaye. Je ne dis jamais de gros mots, hein. Désolé, on est forcé de constater que... je suis pure. quand je me fais souiller sur Fortnite, c'est les mêmes propos polis que toi. Oui, t'as bien vu, t'as bien écouté là ce qui s'est passé, non? T'as bien entendu. mais c'est vrai que j'avais fait gaffe que mon accent y ressortait à ce point. Je savais que mon accent ressortait quand je m'énerve, mais je pensais pas à ce point là en fait. Genre vraiment. Genre même moi je l'entends de fou quand je m'écoute en fait. Je pensais pas que c'était à ce point là quoi. Après c'est marrant hein, ça rajoute un truc hein. Ça rend le truc un peu mignon, non? Non? Un petit peu. Il nous fait une JDG. Moi j'ai toujours trouvé ça drôle. Bah Yann Lugre, mais oui, mais je suis pas. Voilà. Paradis, Mayan sera la seule morte qui aura des fucks sur son auréole. Du coup, par rapport à ça là. Mais oui, mais la perte de contrôle, c'est un truc de fou quoi. Par rapport à ça. Tous les combien d'argent? Est-ce que je fais ça toutes les centaines? Dès que je passe une centaine. Genre quand je passe de... quand j'arrive à 100 euros, puis quand je passe de 200 à 200, quand je passe de 200 à 300. Est-ce que je fais toutes les centaines? Vous pensez que c'est bien? Ou alors vous avez peur que la... Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner niveau fréquence en fait. Pas trop ce que ça va donner niveau fréquence. Je m'arrête la musique par contre. Je vais la remettre. Oh putain. Oh la musique elles sont trop bien. Toutes les centaines. Donc toutes les centaines. On est d'accord avec ça. Pa-pa-pam. Bah du coup ça me semble pas mal. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce que pour vous... vous verriez quelque chose en plus? Est-ce que vous retireriez quelque chose? Est-ce que ça vous semble bien les goals? Est-ce que les goals vous plaisent déjà pour commencer? Est-ce qu'ils vous plaisent? Oh. Attendez, j'en ai combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15, c'est quand même bien long. J'en avais pas autant l'année dernière, je crois. Si, je sais plus. Moi j'en avais l'année dernière, faut que je compte.
Je ferai la mise en page tranquillement dans mon coin. Je vais peut-être faire une petite pause pour aller faire pipi et je vais peut-être lancer. Je vais peut-être jouer à House Flipper peut-être un peu. Vous en pensez quoi? Je vais faire pipi. En tout cas, si les donation goals vous plaisent, tant mieux. C'est le principal. Ah, mais les montants sont plutôt ok. En vrai, je me suis dit, je vais les faire en live avec vous maintenant, parce qu'en vrai, j'ai vu que dans le... Je suis pas la seule, en fait, à m'y être prise à l'avance. C'est-à-dire que là, il y a des gens dans l'event qui ont déjà fait leur visu avec les donation goals et tout. Et là, qui ont déjà tout pris, en fait. Du coup, je me dis, bon, ça va, je suis pas trop à l'avance par rapport à d'autres. Ça va. Il y en a, ils ont déjà fait le visu avec la fiche et tout. Ils ont déjà mis leur goal et tout. Donc ça va, je suis pas tant à l'avance que ça. Je suis pas... voilà. Mais en tout cas, moi je suis plutôt contente de mes donation goals, ils sont plutôt sympas. Je suis plutôt contente quand même de ce que j'ai trouvé. Enlever les... Hop. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe sur OnlyFans. Je n'ai jamais ouvert de OnlyFans de ma vie. J'ai même jamais ouvert l'application de ma vie. Je ne sais même pas comment ça se présente. Est-ce qu'on est obligé de faire un truc payant? Est-ce que tu peux faire un truc gratuit sur OnlyFans? Enfin, est-ce que du coup les gens sont obligés de payer pour accéder au contenu? Ok. C'est pas du tout, y a pas du tout de trucs accessibles gratuitement, quoi. Je connais bien. Non mais en vrai, vous avez le droit de connaître, hein. Honnêtement, je n'ai rien à foutre de ça si vous regardez. Attendez. Je crois qu'il y a un truc gratuit, mais j'y connais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne en OnlyFans. J'en ai aucune idée. Je verrai, de toute façon, je pense que ça se trouve, là, les 1000 euros, je les aurai pas, donc je parle, mais concrètement, on n'aura jamais les 1000 euros sur la chaîne. Mais, au moins, c'est là, c'est fait. Et c'est cool d'avoir mes donation goals. Donc voilà, vous voyez rien de truc à... Vous voyez pas de goal à rajouter, enfin, vous avez pas d'idées supplémentaires qui pourraient être cool, il n'y a pas d'idées. Vous avez pas des trucs à retirer qui vous semblent pas terribles. Il me semble que tu peux mettre des trucs gratuits en présentation pour donner envie de payer. D'accord. Mais du coup, si je veux mettre du contenu, si je veux mettre des patounes régulièrement... Donc les gens, ils payent. Moi, je sais pas. Après, je sais pas s'il y a des fétichistes de patounes de chat, donc... Putain. Mais de manière générale, les patounes de chat, c'est trop mignon, donc bon. Ça existe en vrai, les fétichistes de patounes de chat? Mais en vrai, moi, je trouve ça trop mignon. Les patounes de chat, je trouve ça beaucoup trop mignon. Je paierai pas un OnlyFans pour en regarder, mais je trouve ça trop mignon. Ouais, bon, forcément, les pieds... Moi les pieds j'ai pas trop, je comprends pas trop parce que bon, moi je trouve de manière générale les pieds c'est pas très beau. Et bon bah tant mieux si les gens ils arrivent à... Tant mieux s'il y a des gens qui aiment, tant mieux s'il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent là-dessus. Mais j'avoue que moi les pieds c'est pas mon délire, moi je trouve pas qu'un pied soit joli. Mais bon, chacun son truc après. Après fétichisme tout de suite. Juste aimer... Bah, tu payes pas un OnlyFans pour regarder des patounes de chat. Il y a forcément un fétichisme derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu peux regarder des photos de patounes de chat, t'as juste à écrire patounes de chat. Dans ta barre de recherche Google, t'en as plein. Tu vois ce que je veux dire? Aller jusqu'à payer un abonnement OnlyFans. Désolé, hein. Et c'est pas une critique d'OnlyFans, c'est pas une critique des gens qui payent ni rien. Ce n'est pas une critique, c'est juste que je... C'est un fait.
Y a forcément fétichisme derrière. Si tu veux, enfin tu peux en avoir des gratuitement sur internet, donc si tu payes, c'est que bon voilà. C'est ce que je veux dire. Encore une fois, je répète, ce n'est pas une critique de OnlyFans, ce n'est pas une critique des gens qui aiment les pieds, les patounes de chat ou je ne sais quoi. C'est pas une critique. Loin de là. Bon, est-ce que ça vous va, vous validez les donation goals? Ok. Bah je vais aller en pause rapidement, je vais faire pipi parce que j'en peux plus. Et voilà. Je vais peut-être jouer à House Sleeper un petit peu. Peut-être pas trop longtemps, mais je vais peut-être un petit peu de House Sleeper. Ouais, mais alors, Nilink, cette personne que tu cites, c'est une personne problématique. Donc, voilà. Voilà, c'est pas une personne très fréquentable, c'est pas une personne qu'il faut mettre en avant ou quoi. Moi, je trouve, hein. Enfin bon, on va pas parler de ça. Mais voilà. Je vais en pause, je vais pisser, parce que j'en peux plus. Et à tout à l'heure. Un petit peu de House Sleeper, comme ça au moins. Voilà. Autant, King's Quest, je me sens pas d'y jouer, j'ai trop la flemme. Autant, House Sleeper, ça va, c'est chill, donc voilà. Bah écoute, Vivrou, chacun ses kinks, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ouais, je vais pas pipi! Voilà. Pas glorieux. Oui, en effet. Ah bah voilà, il marche pas. J'ai un problème de prout. Ça y est, il refonctionne. Il a pas voulu, il y a fait que je spam pour que ça fonctionne. Fonctionne. Bon. Allez, stream deck. Je vais en pause, je reviens et voilà. À de suite. Dès que la pause est là.